tient à cœur, qui est une thématique, si vous voulez, qu'on entend depuis quelques temps. L'agroécologie, c'est une politique publique, c'est issu de la loi d'avenir au niveau du ministère de l'Agriculture. Et comment on pourrait faire entrer dans les formations initiales, dans les formations primaires, toutes ces notions d'agroécologie. Et quelle méthode d'enseignement, quel processus pédagogique qu'on peut mettre pour pouvoir faire arriver toutes ces notions auprès des publics. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, des initiatives locales, nos référents de différents lycées, se sont retrouvés avec des partenaires du territoire à monter cette journée. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'aller sur le terrain, de voir les initiatives locales. Alors il y a des passionnés, il y a des techniques, il y a plein de choses à apprendre. Vous allez pouvoir découvrir les initiatives du territoire. On est bien dans notre territoire nigérien. Si ce soir vous repartez avec la tête pleine et plein de choses très concrètes, on aura fait une belle journée. Je vous souhaite un bon travail, une belle journée et à tout à l'heure. Bonjour, merci. Moi, je ne vais pas m'éterniser, je suis juste là pour faire le lien. Je m'appelle Martial, vous allez me voir un petit peu de manière ponctuelle dans la journée. Initialement, il y a deux lycées qui nous ont sollicité pour des interventions autour de l'agroécologie paysanne. Le lycée de Chervé, au nord du département de la Loire, et puis aussi le lycée de Saint-Genès-Malifaux, avec lequel on prépare l'opération de ferme en ferme, donc communiquer aussi vis-à-vis du grand public sur l'agriculture. Et donc, ce qui fait qu'on a mieux appris à faire connaissance avec les enseignants des lycées agricoles. Dans l'agroécologie, il y a surtout une notion qui est de voir ce qui se passe au territoire, de voir qui est à côté de nous, qui travaille dans la même direction, dans le même sens que nous. Et là, on se tourne naturellement vers des interlocuteurs privilégiés, des gens avec qui on a déjà pu faire des actions ensemble, des actions formation, des actions terrain, et des échanges, tout simplement. Tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on ne gagne pas sa vie avec l'agroécologie? Bah oui et non. Oui, c'est une technique de travail, donc... Il y a l'appellation biologique, mais il n'y a pas l'appellation agroécologique. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, donc pour l'instant, c'est une technique de travail, mais pas plus... c'est qu'une technique de travail, quoi, il n'y a pas de... Tu penses qu'il n'y aura pas des coopératives ou des filières qui vont pouvoir acheter des produits de l'agroécologie? Bah, biologique, mais pas gros, enfin, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, mais pas agroécologique. Pas pour l'instant, en tout cas, pour toi. Ben merci de cette réponse un peu plus structurée. De ce côté-là, des gens qui sont favorables en disant que l'agroécologie, on ne gagne pas sa vie avec, tu veux t'exprimer? Ben, je pense qu'on n'a pas assez d'informations pour l'instant, au niveau agricole. On n'est pas assez formé pour ça, je pense. Au niveau, nos anciens, on va dire. Nous, on nous forme, mais pas... On manque d'informations, je pense. Dans le même temps, les lycées, eux, sont tenus aussi d'aborder l'agroécologie dans leur module de formation, dans le cadre du produire autrement. Donc, en fait, on s'est dit, si on organisait quelque chose ensemble, nous, pour au niveau de l'ADA, avec les agriculteurs avec lesquels on travaille, mettre en avant les actions qu'ils mettent dans le sens de l'agroécologie et pouvoir montrer cette matière concrète aux élèves des lycées sur des pratiques d'agroécologie sur le département de la Loire. Bonjour. Je fais des maïs population depuis quelques années, ainsi que des blés aussi. Les maïs population, donc c'est, il faut brasser la génétique pour pouvoir régénérer la population. Mais ça sera une population qu'on pourra ressemer. Les maïs population, c'est pas des clones, c'est une variabilité, c'est une adaptation à chaque terroir. Donc on n'aura pas des maïs parfaits, on n'aura pas des maïs très corrects, quoi, voire supérieurs ou plus rustiques, donc qui vont moins subir les aléas climatiques. Pour cela, il faut quand même les adapter à notre terroir, à rechercher des variétés qui s'adaptent bien à notre terroir. Donc on va rentrer dans la parcelle et vous choisissez une poupée de maïs. Vous mettez à deux et puis vous vous dites, je prends celle-ci ou je prends l'autre, et puis vous nous la ramenez ici, et puis on regardera un petit peu
qu'est-ce qu'on en déduit, quoi. Il fallait bien, elle est plus grande la tienne, il faudrait prendre la tienne. Regarde la tienne, on est là, parfois c'est comme ça. Donc c'est quelle variété? C'est l'italien. Ouais. Donc ça c'est de l'italien. Donc voilà, c'est une variété qui est déjà plus tardive, donc on voit qu'il est déjà moins mûr. Au niveau fécondation, bah, celle-ci elle est à peu près pleine, mais elle n'est pas très grande. Celle-ci, elle n'est pas du tout pleine, quoi. Elle n'a pas été fécondée jusqu'en haut, donc ça veut dire que la fécondation, elle a mal fécondé. On voit que là les rangs sont moins réguliers aussi. Et c'est quoi le point noir? Ouais, noir régulier. Alors, sur les deux mêmes. Alors le point noir, eh ben, c'est que ça a été fécondé par un maïs, par un pollen d'une variété. J'ai vu tout à l'heure, il y en a un qui a dû une variété qui est rouge. Il a été fécondé par un autre maïs d'à côté. C'est intéressant parce qu'on a une telle biodiversité et on va sélectionner sur une grande paire pour essayer de régénérer. C'est tout l'inverse des hybrides où on va cloner pour avoir tous les mêmes. Et en maïs population, on va avoir toujours des maïs qui sont tous différents, plus ou moins. Dans une population ou dans une autre variété, quoi. Voilà, donc c'est un lien assez fort avec l'agroécologie aussi, quoi. Vous avez d'autres variétés là? La Bellardo. Voilà, vous voyez, il y en a un de couleur là-bas, j'aimerais bien le voir là. Ah. Donc c'est un portufec, mais celui-là, pour moi, comme je connais les variétés, c'est pas du tout un portufec. Ça, c'est une variété typique, c'est une variété qui vient du Pays Basque, c'est le Grand Roubas qui s'appelle. Parler d'agroécologie, il faut s'appuyer vraiment sur ce qu'il y a autour de soi. Sur le milieu dans lequel on est, sur le climat que l'on a, sur la terre que l'on a, sur les gens qu'on a, sur les agriculteurs qu'on a autour de nous, et sur leur connaissance, leur pratique déjà. Donc on est obligé de tenir compte, à mon sens, c'est ça que le plus important. Ça reste compliqué le foin de luzerne, mais c'est jouable. Et on a, pour le moment, on n'a que du matériel basique. On a un endaineur normal, une pirouette normale, et donc ça se fait, mais c'est compliqué. Surtout en polyculture élevage, faut arriver à bien se dire, on a fauché la luzerne, elle a ramassé aujourd'hui, voilà, c'est pas le moment d'aller faire autre chose, quoi. Parce qu'à une heure près, c'est plus du tout la même qualité, quoi. Regardez au milieu là. Elle a été, on va dire qu'à l'extérieur elle a extra, elle a toutes ses feuilles. Au milieu, elle a commencé de chauffer la botte. Elle est humide. Si vous la sentez au milieu et si vous sentez à l'extérieur, elle est plus que limite en humidité, quoi. Alors la luzerne, c'est un aliment qui est de plus en plus intéressant et de plus en plus utilisé. Il revient aussi, on va dire, sur le devant un petit peu au niveau des exploitations, puisque c'est un végétal qui va par lui-même être capable de capter de l'azote qui est présent dans l'air, ce qui fait qu'on va limiter les apports en fertilisation qu'on va amener sur cette production-là. Et ces protéines, on va les retrouver après au niveau nutritionnel dans l'alimentation des animaux. Et c'est ce qui va donner, notamment sur les vaches laitières, sur l'atelier qu'on a présenté, une importance capitale dans la qualité du lait pour tout ce qui va être transformation fromagère, etc. C'est vraiment intéressant parce que l'agroécologie, il y a le côté production, mais il y a aussi le bout de la chaîne, il y a les consommateurs. Et c'était vraiment pertinent qu'il y ait cet échelon-là de la chaîne qui, eux, sont, comme je l'ai dit, à la fin de la chaîne et qui sont préoccupés par la qualité des produits, du produit fini. Donc, de voir aussi quelles sont les évolutions que les agriculteurs appliquent dans leur pratique de production pour tendre vers des produits d'une meilleure qualité, c'était intéressant de pouvoir l'échanger là-dessus avec les consommateurs aussi. Alors le GDAFAL, c'est une association de consommateurs qui est aussi une association familiale. Et depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant, on a mis dans notre idéal d'une consommation qui tienne compte de l'environnement et d'une consommation qui tienne également compte du social, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles les biens ou les produits ont été élaborés.
Alors en haut, j'ai pas vu grand chose, mais là, on commence à voir des porosités très intéressantes. Vous voyez, il y a des trous là. Alors, je sais pas si vous voyez. Il y a des trous qui sont des trous de vers de terre. Alors, on les voit souvent parce qu'ils ont une autre couleur. Là, vous voyez le trou qu'il y a là. Il laisse du mucus au passage. Alors, les vers de terre, oui. Alors, les vers de terre, c'est. Ils jouent un rôle absolument extraordinaire parce qu'ils ont une activité physique. Donc, alors ils n'aiment pas trop le sable, hein, les vers de terre, hein, ça gratte. Ils ont une activité physique, c'est-à-dire d'ouvrir le sol par en faisant des trous. Hein, pour ceux qui sont de l'autre côté, on voit les trous là. Et ces trous restent. Toute la fertilisation des sols et les engrais, on a travaillé sur les nitrates, sur les phosphates. On estime que le sol avec des engrais minéraux, c'est un sol qui est moins bien qu'un sol qui est avec un apport de compost. Tout ça, c'est tout un ensemble qui nous paraît très, très cohérent et vers lequel il faut que, pour nous, l'agriculture doit s'orienter. Le sol, c'est quelque chose qui est fondamental en agriculture parce qu'aujourd'hui, toutes les plantes qui assurent une bonne partie de l'alimentation humaine, mais aussi de l'élevage, du bétail, donc à terme de l'alimentation humaine, c'est le sol qui va apporter donc, toutes ces productions. Et il est donc aujourd'hui indispensable pour les agriculteurs de prendre connaissance et de prendre possession de ce sol de façon à ce qu'ils le traitent comme ils doivent le traiter pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions afin de produire des plantes pour fournir une alimentation saine et de qualité. Donc voilà, en fait, hein, à la base, on a des déchets organiques. Donc, il y a à la fois tous les effluents qu'on peut avoir sur l'exploitation, les fumiers par exemple. Il y a aussi tout ce qui va être déchets verts. Et puis, il peut y avoir aussi les restes alimentaires. Donc, ces déchets, ils vont en fait être dégradés donc, par des micro-organismes, bactéries, champignons. L'autonomie, c'est un système global en fait. C'est il y a le sol qui permet de produire des plantes. Ces plantes sont consommées par les animaux. Les animaux produisent des déjections, ces déjections reviennent au sol. Donc voilà, on boucle la boucle. Et donc on est sur un système qui se veut complémentaire, où il y a un équilibre à trouver et donc une recherche d'autonomie aussi, parce que l'idée c'est de valoriser au mieux le potentiel du sol et permettre la production du plus possible d'aliments qui servent à l'alimentation des animaux. On n'imaginait pas en fait faire déjeuner avec un sandwich ordinaire les apprenants qui étaient là, les intervenants aussi. Donc on a eu la chance d'avoir une écoute très, très attentive de la part de l'équipe de cuisine de Moravel qui a tout préparé du début jusqu'à la fin. Donc avec des produits frais, des produits bio, des produits locaux quand on n'arrivait pas à les trouver en bio par exemple. Et donc tout a été fait pour que il y ait une cohérence entre le temps qui est un temps plutôt convivial, celui du repas, et le temps de formation tout au long de cette journée. Donc ce repas a été pensé comme étant aussi un élément important de la formation. C'est un peu une démonstration par l'exemple. Le lien en fait entre agroécologie et soins vétérinaires aux animaux, il porte essentiellement sur des médecines alternatives. Et donc du coup une autre façon de soigner les animaux que par des injections bêtes et méchantes, d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, de choses comme ça. Donc on utilise ces pommades à base de lécithine de soja, de thym, d'eucalyptus et de romarin qui est délivré par notre cabinet vétérinaire. Et on applique sur le quartier en massant sur pendant 3 à 4 traites jusqu'à ce que l'infection passe. En termes d'antibiotiques par voie orale sur les veaux, on essaye de diminuer au maximum l'utilisation de ces produits. Pour la simple et bonne raison qu'on agit sur la flore la plus importante du corps humain ou du corps animal, qui est la flore digestive. Donc on est beaucoup plus
précis au final et beaucoup moins néfaste pour l'organisme en utilisant des huiles essentielles. Ça, c'est effectivement menthe poivrée. On s'en sert sur des animaux qui ont des problèmes de maldigestion. C'est un soutien au niveau hépatique, stimulant de l'appétit également. Et ça peut servir à parfumer la mousse au chocolat. Et on a plein d'alternatives qui sont utilisables et qui sont même encouragées maintenant au niveau de la loi, puisque la loi d'avenir agricole, le but c'est d'utiliser moins et mieux les antibiotiques. Donc moins d'antibiotiques, notamment dernière génération, et puis moins d'antibiotiques de façon générale. La France s'est engagée à baisser de façon drastique sa consommation d'antibiotiques en production animale sur les prochaines années, donc jusqu'à 2017. Bon alors ? Bon ben là, on est des pros. Ah ouais, yes, ça c'est bon, ça c'est bon. Vous pouvez faire un opposé. Vous avez fait comme ça, et ben vous en faites un comme ça, on va faire un peu. Et là, vous en faites un autre, ouais, ouais, ça c'est bon. Et après, ça va être plus solide que tout le reste. Il y a une structure qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui est une coopérative d'autoconstruction. Et donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble avec les agriculteurs pour voir les usages qu'ils ont de leur matériel. Et au vu des usages, créer, adapter les outils qu'ils ont ou qu'ils souhaitent utiliser pour les rendre le plus fonctionnels possible au vu de leur pratique agricole. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'idée de construire des triangles d'attelage qui consiste à avoir un système qui s'attelle à l'arrière du tracteur, qui est installé en fixe à l'arrière du tracteur et qui permettent très facilement d'atteler et d'atteler tout type de matériel. Et donc, moyennant le fait d'activer une manette, sans descendre du tracteur, en évitant de la pénibilité et en gagnant aussi un peu en temps de travail, on peut facilement atteler d'atteler un matériel pour aller faire un passage de herse ou un passage de vibroculteur ou autre. Donc il y a des petits aménagements qui permettent comme ça d'améliorer le confort de travail et aussi d'envisager un meilleur travail du sol à travers des outils plus adaptés. En tout cas, on va dire qu'il y aura une libre expression. Donc après, bah, chien, on peut peut-être le formuler un peu différemment, hein, on peut peut-être trouver un vocabulaire un peu plus recherché, mais ça n'empêche que si ça ne vous a pas plu, il y aura un temps d'expression là-dessus. Il y a eu des super intervenants, enfin, nous on était sur le sol et sur le compost, donc des super intervenants. Il y a eu un super repas midi, donc ça c'était top. Ah, j'ai bien aimé l'intervention sur les veaux là. Ah, tu l'as aimé toi? Ouais. C'est toi qui t'as plu? Bah, trouver de nouvelles techniques qu'on n'utilise pas. Donc, nous on voulait quand même vous remercier d'avoir participé à cette journée, de l'avoir fait vivre, d'avoir été présent sur les ateliers et d'avoir pour certains d'entre vous vraiment été acteurs au niveau des ateliers. C'était l'objectif. On souhaitait vraiment que vous puissiez découvrir avec des témoignages de terrain et sur des exploitations à proximité de chez vous, ce qui pouvait se faire en matière d'agroécologie. Donc maintenant, on espère que ça vous aura ouvert quelques perspectives, conforté dans d'autres, fait voir d'autres choses aussi, peut-être pour certains. C'était le but aussi, de s'ouvrir à plein de choses. Bah, l'agroécologie, c'est une approche de l'agriculture qui se veut globale, qui considère à la fois le sol, la ressource en eau, les animaux. Et il y a la dimension humaine aussi, parce que pour faire vivre un système agricole, il faut aussi un agriculteur. Donc l'idée, c'est de considérer tous ces paramètres et arriver à faire pour qu'il y ait un équilibre entre tous, une interaction positive entre tous et pas un au détriment de l'autre. C'est avant tout des principes simples qu'on peut mettre en place sur des exploitations ou dans la vie de tous les jours, puisque ça peut être à différents niveaux, pour arriver à plus facilement respecter la nature et arriver à mobiliser cette nature dans une fonction avant tout de production si on parle au niveau agricole. L'agroécologie, c'est une démarche dans la durée, c'est au long cours, c'est une démarche au long cours. Donc ça sera intéressant, et puis aussi les jeunes en formation, ils en entendent parler une fois, et l'année prochaine, ça sera de nouveaux jeunes en formation. Donc l'idée, c'est que ça soit quelque chose qui leur soit présenté à toutes les générations d'étudiants, pour que ça rentre dans les esprits, et puis que même ceux qui ont déjà suivi puissent éventuellement revenir pour voir les évolutions dans le temps et voir les résultats que ça donne sur les fermes. Donc l'idée, c'est d'arriver à continuer à reproduire, à entretenir cette dynamique entre les différents partenaires que sont les lycées et aussi le CDAFAL et le public agricole, les agriculteurs, pour pouvoir initier à nouveau d'autres journées dans le temps pour répondre aussi à ces enjeux au niveau de l'enseignement et aussi de l'évolution de la profession agricole vers des pratiques qui semblent être
je pense, un peu de l'avis de tous, du bon sens et des pratiques d'avenir pour l'agriculture.